premier hors-série de notre programme estival. On va parler aujourd'hui de jeux vidéo. Je rassure tout de suite ceux que ça n'attire pas du tout, la chaîne reste bien une chaîne de jeux de société. Il y aura au maximum une vidéo de ce type par mois et encore uniquement pendant les mois d'été. Ceci étant, c'est quelque chose que j'avais plutôt envie de faire, d'abord parce que cette période estivale est assez calme au niveau Kickstarter et GameFound et donc que j'ai moins de sollicitations. Ensuite, tout simplement parce que ce sont les origines de ma chaîne, j'ai commencé en faisant du jeu vidéo, et que comme j'ai un petit peu plus de temps pour vous, j'ai quelque chose à vous montrer. Pour cette série, je vais m'appliquer quand ce sera possible à garder la structure de mes reviews board game, que je trouvais amusant de transposer aux jeux vidéo, et puis le reste du temps, je tâcherai à minima de trouver un lien avec le jeu de société, ou bien de poser des questions qui soient intéressantes, puisqu'évidemment il y a beaucoup moins d'intérêt à juste me filmer en train de jouer. Voilà, je pense que j'en ai assez dit, je vous laisse découvrir la vidéo. On commence avec un jeu qui est assez proche de notre hobby puisqu'il se joue au tour par tour. On découvre ensemble Sharkpunk Verminfall. Au détour d'une visite sur la boutique Steam l'année dernière, Sharkpunk Verminfall et sa démo de l'époque avaient fait leur entrée dans ma bibliothèque alors que le jeu n'était pas encore officiellement sorti. Grand amateur de jeux de stratégie tactique et de pixel art, j'avais rapidement installé et lancé cette version d'essai, qui fut en réalité une véritable douche froide que l'on pourrait résumer en 4 mots, trop dur et mal expliqué. Pourtant sur le papier, la création de Clockwork Pile avait tout pour plaire. D'abord et avant tout parce qu'elle revendique l'héritage de la série XCOM, monument du jeu tactique au tour par tour, dont le dernier volet, sorti en 2016, continue à se vendre sur quasiment tous les supports, y compris les appareils mobiles. Dans les jeux comme XCOM, vous incarnez une petite équipe de soldats ou de héros affrontant divers ennemis dans des niveaux découpés en grilles, rappelant fortement les dungeon crawlers que nous pratiquons sur table. Très similaire aux jeux de société, ces titres se dotent souvent d'un système de points d'action à répartir entre le mouvement, la recharge des armes et une myriade de compétences plus ou moins uniques vous permettant de prendre l'avantage au combat. La différence notable en termes de gameplay, au-delà de la présence d'un écran bien sûr, entre ces wargames tactiques et leur pendant sur table, réside dans le fait que les versions numériques du concept permettent à la fois l'implémentation d'une IA plus développée pour vos adversaires, et la présence d'un réel élément de surprise, étant donné que vous n'effectuez aucune mise en place et ne savez donc jamais vraiment ce qui vous attend. J'ai été aussi intrigué que ravi quand l'éditeur RetroVibe m'a proposé de mettre en avant la version finale de Sharkpunk, disponible sur Steam depuis le 13 avril, et sa proximité avec notre hobby, tout comme ses nombreuses évolutions depuis l'année dernière, m'ont convaincu de vous en faire une présentation détaillée. Sharkpunk Verminfall est donc ce que nous, board gamers, appellerions un dungeon crawler narratif, prenant comme décor un univers steampunk dans lequel le monde a été attaqué puis conquis par une vermine assez proche des Skaven de Warhammer. Alors que la guerre était sur le point d'être perdue, les scientifiques du Capitole réussirent à terminer la fabrication d'un automate révolutionnaire qui permettrait, entre de bonnes mains, de retourner le cours des événements et de reprendre le contrôle. Tandis que la capitale cédait face aux assauts incessants des rats, c'est à votre petit groupe de survivants que l'on confia une mission de la plus haute importance, traverser la capitale en ruine afin de rapporter cette nouvelle technologie au dernier bastion de la résistance, dans l'espoir que ce petit robot conçu sur les cendres de la civilisation soit à la hauteur des espoirs qu'il suscite. Le jeu revendique de nobles influences, XCOM nous l'avons vu dans son aspect tactique, et Darkest Dungeon dans ses mécaniques de roguelike, de stress et de gestion de camp entre les niveaux. Les plus aguerris d'entre vous lui trouveront également des similitudes avec l'excellent Pathway, de par ses routes à embranchement et ses perks à débloquer, ou même avec Left 4 Dead dans son concept de horde ou de fuite de bunker en bunker, mais vous aurez tout loisir de vous faire votre propre idée dans quelques minutes. Votre aventure commence avec la sélection des 3 héros formant votre équipe de départ, ainsi que de votre automate. Si vous devez escorter et ramener ce robot sain et sauf au bout de votre parcours, il ne sera pas un point mort pour autant, puisque chacun des modèles disponibles sera doté de pouvoirs utilitaires uniques. Vous le voyez, le casting est assez fourni, et au moment où j'ai enregistré cet extrait, je n'avais pas encore débloqué grand monde. Cela s'explique par le fait que les points utilisés pour déverrouiller des personnages sont les mêmes que ceux qui vous permettent d'améliorer vos compétences, et que j'avais fait le choix initial de renforcer mon équipe afin d'aller le plus loin possible. Sharkpunk étant un roguelike, un jeu dans lequel chaque défaite vous permet de recommencer en gardant vos acquis, vous pouvez être certain que vous aurez de nombreuses opportunités de repartir de zéro, et autant d'occasions de tester les différentes combinaisons possibles. Le très nécessaire et très réussi tutoriel de Sharkpunk Verminfall vous enseigne un principe fondamental,
Dans ce jeu, votre objectif est de vous échapper et non pas de tuer tous les ennemis. La plupart des niveaux vous demandera en effet d'atteindre la porte du bunker suivant, marquant la prochaine étape de votre périple vers ce qu'il reste de votre gouvernement. Chacun de vos héros dispose de deux points d'action, qu'il pourra librement répartir entre le déplacement, qui consommera un ou deux de ses points selon la distance parcourue, les actions d'armes, comme le tir ou la ventilation, ainsi que les nombreux pouvoirs spéciaux et autres objets dont chacun sera doté. Les armes de cet univers disposent d'un certain nombre de cellules qui vont surchauffer au fil de leur utilisation, et la mécanique de rechargement est ici remplacée par celle de la ventilation. Si cette précaution est facultative, abuser d'une arme surchauffée finira par infliger des dégâts à son utilisateur. Fidèle au système XCOM, Chartpunk prend en compte différents niveaux de couverture qui influeront sur vos chances de toucher ou d'être touché. On retrouve aussi le principe de l'Overwatch, qui consiste à sacrifier ses points d'action afin de tirer sur le premier ennemi se déplaçant à portée pendant le tour adverse. Cette technique, privilégiée par vos tireurs d'élite, vous permettra de couvrir efficacement votre fuite. Ce qui marque d'emblée quand on commence son exploration, c'est l'abondance de loot, marquée par des cases vertes, éparpillées un peu partout. Si le résultat de vos fouilles sera aléatoire et parfois décevant, prendre la peine, voire le risque, de faire quelques détours pour retourner une caisse, sera, vous allez le voir, l'une des clés de votre longévité. Il ne vous faudra pas longtemps pour qu'au détour d'un chemin vous croisiez votre première patrouille de rats. Cela déclenche la deuxième grande phase d'un niveau, pendant laquelle il ne sera plus question que d'optimisation de mouvement, de calcul de risque pour effectuer une fouille de plus, et de savants calculs d'itinéraire vers la sortie. Notez que vous avez jusqu'à la fin de votre tour pour réagir à l'apparition des rats avant qu'ils n'attaquent. Si vous tombez nez à nez avec eux lors de la dernière action de votre dernier personnage, vous risquez de passer un sale quart d'heure, ce qui vous imposera de toujours vous déplacer en groupe, ou en tout cas d'éviter d'envoyer un personnage seul trop loin. Le combat dans sa globalité ne dépaysera pas les habitués des jeux du genre. Chaque héros aura une chance déterminée et affichée de toucher chaque ennemi selon ses statistiques et la position des deux combattants, tout en prenant en compte les éventuelles armures et autres effets actifs. Malheureusement, de par son look pixel, la sélection de vos héros et de leurs cibles dans Chartpunk n'est pas toujours des plus lisibles, ce qui pourra entraîner des accidents, nous en reparlerons. Malgré tout, ce sera l'un des fils rouges de cette vidéo et cela vous est martelé dans le menu du jeu, le titre reste difficile et peu dérouté dans le fait qu'une fois le combat engagé, les ennemis ne cesseront d'arriver par vagues. Chaque niveau est truffé de couloirs et autres accès par lesquels des troupes fraîches peuvent débarquer à tout moment, et il vous faudra être en permanence sur vos gardes si vous voulez sortir entier. La clé du succès repose sur un délicat équilibre entre fuite en avant, ouverture de feu et léger détour pour chercher du loot. Le nombre réduit de points d'action à votre disposition vous imposera régulièrement des choix cornéliens, comme avancer pour tirer au risque de finir le tour exposé, ou bien faire feu de tout bois sans ventiler votre arme, vous exposant à un douloureux dysfonctionnement. C'est d'ailleurs là que vous prendrez conscience de l'utilité de votre automate, en tout cas de celui dont vous disposerez lors de vos premières parties. En le positionnant stratégiquement, vous pourrez bénéficier de sa fonction support, annulant la surchauffe des armes et vous permettant de tirer à volonté. Bien sûr, ce bonus n'est pas sans risque, d'une part parce qu'il expose votre fragile robot, mais aussi parce qu'il impose une forme d'immobilisme que le jeu punira rapidement. C'est souvent la tentation du loot, que l'on pourrait assimiler à la compulsion que l'on a dans les jeux Mario de courir après la moindre pièce, qui mettra un terme à vos premières tentatives. Que ce soit parce qu'un personnage trop gourmand tombe sur une horde ennemie alors qu'il s'est trop détaché de l'équipe, ou parce qu'en voulant absolument fouiller chaque recoin du niveau, vous perdrez tant de temps que vous finirez submergé, il est intéressant de voir à quel point il est nécessaire de dompter ses pulsions de joueur afin de voir le bout du tunnel. Summum de la tentation, les cases bleues représentent les actions que seul votre automate pourra effectuer. Il en existe deux sortes, les coffres sécurisés, moyen quasi exclusif d'obtenir du matériel pour améliorer vos armes, et les ateliers, seule manière de faire gagner des niveaux au robot. Sa fragilité et sa quasi incapacité à se défendre font que chaque détour pour ouvrir l'un des précieux coffres, ou chaque arrêt destiné à améliorer la machine, cela prend deux tours, seront des points culminants de tension qui feront toute l'addiction et le sel du jeu. En cas de blessure, vous pourrez bien sûr vous requinquer avec un Steam Pack, mais ces soins sont temporaires et demanderont un traitement plus attentif entre les niveaux. Plus punitif, le gain de stress, inspiré de Darkest Dungeon, sera occasionné par de nombreux événements, de la blessure aux soins d'urgence en passant par l'apparition de monstres particulièrement répugnants. Si la jauge de stress de l'un de vos personnages se remplit au combat, il obtiendra un passif aléatoire, souvent négatif, qui le suivra durant toute la partie. Assez thématique et passablement drôle,
ces traits seront un véritable caillou dans votre chaussure à mesure qu'ils s'accumuleront. En cas de blessure fatale, tout n'est pas forcément perdu, vous aurez quelques tours pour vous rendre auprès de votre coéquipier et le ranimer, si vous disposez bien sûr d'un steampack. Le système est identique pour l'automate, à l'exception du fait qu'il vous faudra, pour le remettre sur pied, utiliser un cœur en fusion. Véritable joker du jeu, ces cœurs, très rares, disposeront de nombreuses fonctions comme effectuer des dégâts de zone, réparer votre robot ou ouvrir instantanément la porte des bunkers. Car une fois arrivé au bout du niveau, vous n'êtes pas encore sorti d'affaire. Avant amélioration, l'ouverture de la porte du refuge vous prendra 5 tours, durant lesquels il vous faudra subir les assauts de tous les ennemis que vous aurez laissés derrière vous, en plus d'éventuels renforts. Shardpunk se transforme alors en véritable castle défense, poussant votre équipe dans ses derniers retranchements. Une fois à l'abri, commence une phase de gestion et de préparation. Vos survivants se verront attribuer de l'expérience qui, souvenez-vous, n'a aucun lien avec le nombre d'ennemis qu'ils ont tués. Les niveaux gagnés vous permettent d'augmenter les compétences de chacun des personnages, ces améliorations ne comptant que pour la partie actuelle. Assis en cercle dans les décombres de votre abri provisoire, vous vous verrez affecter un nombre de points d'action dépendant de la taille de votre équipe, que vous pourrez affecter à diverses tâches, comme vous soigner ou fabriquer des objets si vous avez obtenu suffisamment de matériel en lootant le niveau précédent, activer des compétences de soutien propres aux héros, ou tenter de diminuer votre stress. Très similaire à la phase de camp de Darkest Dungeon, cet interlude sera aussi l'occasion d'améliorer vos armes grâce aux pièces trouvées dans les coffres sécurisés ouverts par votre automate. Les modifications effectuées dans ce menu sont complètement remboursables et vous permettent donc d'essayer diverses combinaisons librement. Vous le comprenez, la majeure partie des améliorations essentielles effectuées dans les bunkers dépendent du loot que vous aurez obtenu, renforçant la nécessité de prendre des risques pour en ramasser un maximum. Après une dernière phase durant laquelle vous attribuerez des rations au groupe, phase assez anecdotique puisque vous n'êtes pas pénalisé si vous affamez vos personnages, vous répartirez les objets communs et reprendrez votre route. La carte qui vous est présentée est celle du chapitre en cours, et elle comporte de nombreux embranchements rappelant Passway, dont je vous parlais en introduction. Chaque niveau dispose d'un ou plusieurs paramètres uniques dans sa composition, que ce soit par les ennemis qui s'y trouvent ou ses bonus, et certains lieux, marqués d'une étoile, proposent un challenge plus relevé en échange d'une belle récompense. Votre survie dépendant de votre capacité à améliorer vos compétences, la tentation du risque sera souvent forte. Notez que des niveaux de sabotage spéciaux vous permettront de supprimer les fléaux que Shardpunk va vous imposer au fil de votre progression et qu'ils seront souvent, malgré leur faible rentabilité, des passages obligés afin de réduire l'apparition de certains rats spéciaux ou de supprimer un effet négatif sur votre groupe. Une fois au bout du chapitre, un niveau spécial, scripté celui-là, mettra une dernière fois vos rescapés à l'épreuve. L'accomplissement de ces objectifs inédits vous permettra de passer au chapitre suivant, vous donnant l'occasion de découvrir de nouveaux environnements et de nouveaux challenges à surmonter. Si la majeure partie de ce que je vous montre aujourd'hui est relativement classique, dans un genre maintenant bien établi, Shardpunk Verminfall sort du lot grâce à quelques petites touches très personnelles. Comme souvent dans ces jeux tactiques, l'expérience et les pouvoirs débloqués par vos personnages ne dureront que le temps de votre run actuel, chacun repartant de zéro lors de la tentative suivante. Il existe bien sûr des moyens d'améliorer définitivement votre groupe, ainsi que de déverrouiller de nouveaux personnages, mais cela s'effectue à l'aide de points qui ne sont obtenus qu'en réalisant des succès particuliers. L'éditeur se démarque ici de la progression linéaire, au fil des parties, propre au genre, et impose à ses joueurs l'accomplissement de prouesses particulières afin de faciliter ses tentatives ultérieures. Cela est à mettre en parallèle avec le fait que tuer des monstres ne rapporte rien, il ne suffit pas de courir et de tirer à tout va pour prendre l'ascendant dans Shardpunk. De la même manière, certaines situations particulières, comme le fait de mettre deux survivants côte à côte en Overwatch ou d'infliger en un tour des dégâts à distance et en mêlée au même ennemi, donneront droit à un bonus immédiat, comme une action supplémentaire ou une augmentation des chances de toucher. Le joueur devra faire l'effort, à mesure qu'il découvre ses mini-succès, de s'en souvenir et de les appliquer, tant qu'ils peuvent radicalement changer le cours d'une bataille. Mélange d'améliorations temporaires et de progression permanente, de subtiles touches et de petits succès faisant la différence, Shardpunk vous oblige à penser long terme,
jusqu'au point où vous serez parfois tenté de faire une partie non pas pour gagner, mais simplement pour débloquer de nouveaux bonus permanents. Cette vision du roguelike, audacieuse, pourrait déplaire aux plus conservateurs d'entre vous. Au final, si le jeu est exigeant, demande de la réflexion et sera souvent cruel, il offre en cas de réussite une véritable et gratifiante sensation de puissance. Chaque petit succès, chaque manœuvre risquée mais payante vous arrachera un sourire de satisfaction et vous donnera toujours plus l'envie d'avancer. L'inverse est bien sûr vrai, il suffit parfois d'un grain de sable, d'un pas de côté pour qu'une tentative bien engagée finisse en fiasco. Le jeu est juste, cela dit, et bien souvent vous ne pourrez imputer vos défaites qu'à vous-même, spécifiquement au fait que vous ayez pris trop, ou peut-être pas assez, de ces fameux risques. Sévère mais équilibré, doté d'une courbe d'apprentissage assez longue, le titre de Retro Vibes réinvente modestement le concept du jeu tactique au tour par tour, mélangeant grind à long terme et plaisir immédiat. Ouvrant chaque niveau sur une phase calme d'exploration prudente, il sait par son ambiance créer une atmosphère pesante, alors qu'au détour de chaque couloir pourrait apparaître la horde de rats abrégeant votre collecte. On pourrait d'ailleurs reprocher à Sharkpunk de ne pas proposer de phase de déploiement, le déroulement des niveaux étant trop souvent similaire dans sa succession d'un moment tranquille et d'une fuite effrénée. Malgré tout, cette sensation d'urgence, de course contre la montre, est un aspect aussi rare que novateur dans un genre qui se borne souvent à opposer deux armées dans des arènes fermées, et le mélange des genres qui en résulte pourrait attirer des joueurs moins familiers des licences comme XCOM. Tout n'est cependant pas que répétition et enchaînement de couloirs, les niveaux générés aléatoirement sont régulièrement ponctués d'imprévus et d'opportunités, que ce soit une porte qui ne s'ouvre pas ou un allié potentiel à sauver, et les développeurs se sont assurés que même après plusieurs heures de jeu, vous ne soyez jamais complètement certain de ce qui va arriver. On aurait aimé, cela dit, une plus grande occurrence de ces événements. À vouloir être trop punitif, Sharkpunk prive tout de même le joueur de quelques fonctionnalités qui sont devenues la norme aujourd'hui, comme un bouton de rembobinage de la dernière action. Sachant qu'il est impossible d'attribuer l'annulation d'un pouvoir à un clic de la souris et que la sélection des personnages n'est pas toujours claire dans cet univers en pixel art, les loupés seront réguliers et il n'y a rien de plus frustrant que de gâcher un run en tirant accidentellement sur le reste de ses alliés. Cela n'empêche pourtant pas le titre d'être particulièrement réussi et addictif, parant ses mécaniques ciselées d'un univers mature et envoûtant. S'il ne se laissera pas facilement apprivoiser, le concept de Retro Vibes saura vous happer par son équilibre délicat entre prise de risque et coup d'éclat stratégique, le tout emballé dans un système sobre et particulièrement cohérent. C'est la fin de cette présentation de Sharkpunk Verminfall que je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. C'est une vidéo qui m'a pris un temps fou à réaliser faute de méthode. Pour l'anecdote, si vous ne mettez pas de petits marqueurs pendant votre enregistrement pour repérer les événements marquants, vous aurez beaucoup de mal à les retrouver pendant le montage. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a plu ou déplu dans cette vidéo et dans ce format. La semaine prochaine, on se retrouve avec du 100% board game puisque je vous ferai un retour de ma visite au salon Paris et Ludique avec une sélection des meilleurs jeux de l'événement. D'ici là, portez-vous bien, salut !